Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader King 3. Crusader King. Je suis en guerre contre le duché de Poitiers. Je vais recruter quelques mercenaires d'ailleurs. Confédération Teutonique. En vrai, est-ce que j'ai besoin de tant que ça? Non, je vais recruter plusieurs petites troupes qui me permettront de faire plusieurs sièges à la fois. Hop, 2 et 3. Voilà. Voilà, le but c'est de faire plein de sièges, au moins prendre l'entièreté du duché de Poitiers. Pour ça, on va aller à Lusignan. Pourquoi j'ai pris l'accent du sud d'un coup là, il m'est revenu en pleine poire là, l'accent du sud. Lusignan. C'est tout. 1, 2, 3. Bon, on va prendre La Rochelle. Hein. Bon, alors on va faire quelques sièges. On va avancer un peu la nab. Oula! J'ai du monde là, dit. Eh. Alors. On va changer de stratégie là. Là, essaie de me copier avec votre drapeau de pacotille. Je crois que je te vois pas là. Hein? Essaie de copier mon drapeau. Oula. Oula, 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 tu n'as pas attendu, Ça va être compliqué pour toi là, mon ami. Heureusement. Ça se passe. Copieur de drapeau là. Ça vous apprendra. Ouh. Oh, le prince héritier là d'un coup. Prince héritier et... Ranus de Poitiers. Ok. Deuxième c'est qui? Bon, je mets Philippe. Ah ok. Vous savez quoi? On va changer les plans, on va aller sur Angoulême direct. C'était pas prévu à la base, mais bon. De lui refoutre une. Ouais, si je peux le rattraper avant qu'il aille possiblement piller mes terres. Ça m'arrangerait. Action contre vous dissoute. Ok, on l'a rattrapé. On est quand même allé jusqu'en Auvergne. Notre chevalier à elle a été tué. Ah bah merde. Vous obtenez le trait malade. Ouais mais non, mais je connais, c'est juste un rhume. C'est bon. Ok, bah j'ai encore capturé le comte, quelqu'un, le comte de Godefroy cette fois. Ce qui fait que j'ai tellement de capturés de personnes que je peux appuyer mes exigences sans même avoir pris un seul territoire. Donc on va obtenir le duché de Poitiers et tout ce qu'il y a dedans. Si vous vivez dans l'harmonie et la satisfaction. Et voilà, donc on a gagné un nouveau duché. On va rançonner un bourgmestre aussi, c'est pas mal. Non. Ok.
et je vais filer tout ça. À qui veut, hein. Raoul, La Ferté. Ah, t'es de La Ferté, ok. De Bologne. Aymar de Bologne. Ah bon? Pourquoi pas? Ouais, on va le donner à un de nos... Maréchal et chevalier, allez. Pour toi. Et Lusignan, on va le donner à... Mon antiquaire, maître de chasse et médecin de la cour. On a bien mérité un peu là quand même. Beaucoup de choses. Je vais juste devoir les changer. Parce que du coup il n'est plus chez moi donc il va falloir que je fasse autre chose. Évêché gaucher. Évêque gaucher, pardon, pas évêché, n'importe quoi. Mon antiquaire, bon terrible. Mais il est pas mort elle. Tiens non, c'est bizarre ça. Maître de chasse. Bouffon de la cour à elle. Oui, voilà. Impec. Vous pouvez vassaliser le comte Rocher. Tu es où toi? Mais qui tu es? De Bellac. Ah il est ambitieux. Oh, 25 moins 20. Vous n'êtes pas censé un liège légitime. Ouais, mais ouais, pas grave, obligation féodale basse, allez. Je profiterai au cas où, tiens, je vais envoyer mon espion. Ouais. Si jamais il chope quelque chose sur lui. Je remettrai les obligations féodales normales. Voilà, salutations, j'accepte gracieusement votre offre de vassalisation, monseigneur. Quand on est grand, on est vraiment grand. J'ai bien envie d'usurper l'identité de... Je sais pas. Ok, j'ai construit quelque chose à Vannes. Reconstruire, ça a pas l'air. Hein. Non. Voyons voir, qu'est-ce que tu m'as dit. Je vais déclarer la guerre en comte Charles. Qui es-tu? Revendication du comte Roger. Ouais, bah allez. C'était pas prévu à la base, mais bon, au moins ça me fera prendre un nouveau territoire, quoi. Par contre, j'ai pas regardé s'il avait d'alliés. J'espère pas. Salutations, on propose. Conclu une alliance avec le comte Damien. C'est mon gamin ça. Oui. Il est pas balafré lui, il n'est pas défiguré. Bah non. Bah c'était qui alors? Ouais j'ai du mal à dire. Ok, j'ai un nouveau bâtiment à Nantes. Il me faudrait une nouvelle revendication là sur le duché d'Orléans, ce serait bien. Pas cette fois, hein. Ouais, je sais pas cette fois. Alors un peu plus de fois. Chenille a été construit à Rennes. Vous êtes connu pour votre dévouement envers votre foi. Bien. Ah, Chenille à Rennes. Ouais. Prisonnier Udo est mort dans mes cachots. C'est ballot. Je peux pas en renseigner quelques-uns là. Oui, ici, toi, 50, allez. Toi, là. Non. Aucune langue n'est trop difficile, là. Toi, je vais te demander un hameçon. De toute façon, tu me sers pas à grand-chose, donc...
Idulte. Oula. Pareil. Victoire à Berry. Ah ouais? Je me suis battu, tiens. Je l'ai oublié. J'ai reçu une faveur, j'ai reçu une autre faveur. Bon, c'est des mecs, on sait pas trop, hein. C'est des lambda, donc... Et très certainement pas pouvoir les utiliser, mais on sait jamais. On ne sait jamais. Alors. C'est vrai que j'ai pas réussi à prendre le Norrois. Norrois. Ce qu'on la ref au triple long. Très 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 peu long. Ah, je dirais peut-être 10, 15 000 personnes partout en France, en même sur le monde entier. Très peu. C'est pas une blague, très très peu. Voyons voir. Par roi, je peux toujours pas faire. Hein. Ah, vous avez été nommé grand écuyer du roi Louis III. Bon, ça me va, tant que la paye est là. Comte Louis III. T'as pas de femme, toi? Alors. Oui, mais non. Oui, mais non. Alors, ce que je vais pouvoir faire, par contre, c'est... Voyons voir. Bonjour, bonjour. Héritier. Oh, merde, il a pas de prince. L'Italie, elle va prendre toute la Lotharingie. Oh, merde. C'est pas fou, ça. Y'a pas un autre héritier, là Italie. C'est qui ça? C'est qui? Ok. Ouais. Bon. Pas ouf. Moi, faudrait que je marie un de mes gamins là. Putain, mais ils ont pas de gosse non plus? Hein? Ah d'accord, Barcelone, ils sont là aussi. Pourquoi pas? Attends, il y a des dingueries là qui se passent. Il y a des dingueries, les gars. Déjà, l'Andalous, ils ont pas du tout été affaiblis, ils sont même pas encore cassés. Navarre qui a une bonne partie du Pays Basque, même plus que le Pays Basque, hein, Pays Basque est... Ouais, je suis le Pays Basque, on va dire. De l'époque du moins. La Barcelone, là, tranquille. L'Aquitaine qui est nul. Bon, je leur ai un peu tapé dessus, mais qui est nul. L'Auterre qui est très gros. Qui a bien mangé, salaud. Enfin, les descendants de l'Auterre qui ont bien mangé. Ouais, bah si, l'Auterre, c'est même pas le descendant de l'Auterre. C'est... Oui, si, c'est descendant du roi, l'Auterre. Bref. Ok. Ouais. Bon, au moins j'en ai terminé avec la conquête du duché. On va appuyer les exigences. Voilà, on disperse tout. Une faveur contre le roi Roger. Comment ça? Le comte Roger, ouais, pas le roi. J'ai du mal à lire. Hop. La bonne question c'est est-ce que j'ai une faveur contre lui pour pouvoir modifier le contrat vassalique. J'utilise un hameçon. Et je remets les levées féodales normales. À combien? Terrible. Il me rapporte rien lui. Ouais, levée féodale. Voilà. Avec le son que je lui ai qu'il avait.
Au pire, en plus, je vais bientôt peut-être découvrir un secret à lui. Lui, il a bientôt fini là. Ok. A découvert un secret d'incroyance de Cyderne, courtisan du roi Roger. Ouais. On va le faire chanter. Faut jamais, ça peut aider. Bon, j'ai réussi à apprendre la langue d'Anroise. Nordique, pardon, ça c'est bien. On a quand même un sacré beau territoire. D'Orléans. Bonne nouvelle. J'ai parcouru des documents à la fois anciens d'une provenance moins certaine. J'ai assez d'éléments pour prouver que vous êtes le seigneur légitime du comté d'Amiens. En fait, je pourrais même soutenir que vous êtes le seigneur légitime du duché de Valois. Alors. Oui. Et non. Je suis pas sûr, mais on va dire oui. Le roi Louis III perd 30 d'opinion, je m'en fous. Ok, bah on va aller. Déjà, on va. Attends, quoi? Bah. J'ai inversé, c'est ça? Il est où le duché de Valois? Contre vous. On est breton, c'est fou ça. Une faction de dissolution. De toute façon, il y a deux membres. Il y a qui? Amiens. Étonnera. Ouais. Prétendant. Les membres de cette faction soutiennent un prétendant qui vise un titre appartenant à son seigneur liège. Eux, ils veulent. Enfin, je m'en fous de ça, l'autorité de la couronne plus basse. Je dis c'est un prétendant, moi bien sûr. Je dis c'est un titre, duché de Valois. On va essayer, j'ai jamais essayé. Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Ajout de membres. Oh, ils sont chauds les mecs. Ah non, merde. C'est envers. Mathieu, elle est très appliquée. C'est bien ça. Un membre, il y a moi. Oui, mais. Contribution à l'efficience militaire de faction, 188%. Ça c'est bon ça. Bon, et comment ça forcer à rejoindre la faction? Il me faut un hameçon. Ouais, mais un hameçon fort. Ouais. Parce que là, ils sont bouffés par la Lotharingie, c'est pas à faire, Regardez, je peux même pas. Même pas usurper. Il fait trop bouffer, lui. Damien adulte. Puisque Damien est devenu adulte, mes cours sont terminés. Bien qu'il ait eu plus que sa part d'expérience en matière de mensonges pendant son enfance, Damien a toujours eu du mal à appliquer ce type de créativité de manière structurée. Mais qu'il se soit montré tout à fait capable de manigancer peu de gens le dirait raffiné.
Cependant, le raffinement n'est pas toujours nécessaire. Ce qui est nécessaire. Ça va, ça va. Il est bon partout, voire excellent. Il grandit vite. Alors, je vais le marier. Effectivement, je vais le marier à qui? Pour me donner de belles revendications, ça, non? Sur un duché, non, pas ouf. Ouais, des bonnes revendications sur un bon truc, hein, mais... C'est quoi ça? Géant. Ouais, excellent. Bonjour, je veux des bonnes revendications, s'il vous plaît. On va faire un truc, là. Y'a pas genre revendication? Dommage. Mornez-moi, Monaco. Ouf. Oh. Intéressant. Ouais, non, mais elle est trop jeune. Faut lui trouver un bon parti à mon gosse. Un mien. Avec qui vas-tu te marier? Duché de la Marche. Ah, mais elle a 4 ans. Mais là, on va dans le jeune, là, quand même. Un peu trop jeune, même. Comté de Viennois. À quel âge? 13 ans. Ce serait des fiançailles, ce serait pas très grave. Ouais. Non. Hein? Ah, c'est tout petit ça. Y a pas un truc où il y a des bonnes revendications là, des vraies bonnes revendications qui soient pas le Royaume de France? Bah non, il a pas l'air hein. Bon. Comté d'Auvergne, c'est le mieux que je puisse faire pour l'instant, Valak. Maladie de Cupidon. Ah! On va pas y aller hein. On va pas y aller du tout. Parce qu'à cette époque-là, ça se soigne pas et... Bon, on est du meilleur maintenant non plus. Mais ça se stabilise pas. Bon. C'est pas terrible tout ça. Je la mariais à une jeune française lambda, genre par exemple elle. Mais un peu moins vieille, histoire qu'elle ait des gosses. Ouais, parfait, voilà, 17 ans, 16 ans, 17 ans. Un peu. Il n'y a plus âgé à chaste. Chaste et fourbe. Alors ça va pas ensemble. Hein. Après je dis ça, je dis rien, mais. Paresseux, tempéré, calme. Oh Susanna. Chaste, eh ben décidément. Juste, patient, cupide. C'est pas mal ça. On va voir.
pieuvre virtueuse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'arsenal est très vide. Il y a beaucoup plus d'enclins à choisir. Des gains à court terme. Des pillages. Pironel. Non plus. Sveta. Appliqué, gourmand. Ah bah non. Cynique. Oh, ambitieux, cupide, indulgent. Généreux, compatissant par. Oh. Tempéré, compatissant, vindicatif. En union de l'Asturie, aveuglé. Marchandeur convenable, ça c'est pas mal. C'est très compatissant et beaucoup plus enclin à ne pas nuire à autrui et libérer des prisonniers, surtout les enfants, à promouvoir l'exception culturelle, à laisser les gens se marier par amour et à faire des amis, à se faire des amis. Il est pratiquement jamais enclin à assassiner, exécuter ou torturer d'autres personnes. Ouais, ça a l'air quelqu'un de pas trop mal, hein? Allez, Alucinda, galicienne. Voilà. On lui a trouvé une prétendante. Bon, c'est pas terrible, hein, mais bon, j'ai trouvé ce que j'ai pu pour toi, mon ami. C'est accepté. C'est pas ouf, mais bon. J'ai pas de revendication en cours. J'ai pas fait de revendication sur Amiens. J'ai dû me tromper. Hein. On va rien construire, bah non. Là j'ai des bâtiments spéciaux mais j'ai pas les bourgs fortifiés etc quoi. Le rétablissement. C'est vrai que j'étais malade. Petit rhume. J'avais pas de revendication là. Mon fils Paul, ainsi que Mathieu et Jade, ont été invités à une réunion des camarades par le comte Arnaud. Ils sont prêts et manifestement excités de partir pour Clermont. Oui, allez vous faire des potes. Moi j'ai un... Oh la vache, le duché d'Orléans. Mais comment il grandit aussi rapidement, lui? C'est pas possible. C'est occidental et minuscule. Ah, c'est l'île de France, là. Bon. Sur le duché d'Orléans, ouais, mais quelle revendication. Personne n'a des revendications là dans le coin? Attendez, j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est ça? Il peut y avoir des effets secondaires imprévus. Je suis pas fan des effets secondaires imprévus. Je vais voir si je peux inviter des prétendants.
Étant décidé à passer une soirée reposante, je me dirige vers les appartements de mon fils Daniel, avec un peu de vin épicé, un jeu d'échecs, je pousse sans frapper. Il est assis au bord du bureau en train d'écrire empressément. Tandis que je me racle la gorge, il sursaute. Il remet un rouleau de parchemin dans sa poche et se tourne vers moi. Qu'est-ce que tu me caches, mon gamin? Tandis que je fouille dans ses appartements, le comte Damien dort profondément. Le sédatif que j'ai mis dans son verre à vin a bien fonctionné. En quelques minutes, je trouve un morceau de parchemin qui est caché. C'est une lettre. Il y a quelque chose à propos d'une transaction monétaire, des spécifications d'une tapisserie portant les armoires de l'Union. Il semblerait que Damien envisage de faire un cadeau. Oh, merci! Bon, je vais essayer d'inviter des prétendants. Parce que là, je ne peux plus prétendre à aucune TR, c'est pas ouf. Ah si, ça y est, j'ai assez de foi pour le faire. Acheter une revendication. Ok, bon, on est en trêve bien évidemment, donc il faudra attendre. On est en trêve combien de temps? Déjà, je veux voir de quelle revendication il parle. Orléans ou... Oui, une belle revendication là. Mais jusqu'à quand la trêve? Allez, trêve. En 2 ans, 27 juin. Oh. Comment je vais m'amuser moi? Sur qui je vais taper pour m'amuser, c'est fou ça. Bon. Bonjour le pape. Un geste de reconnaissance. Ah oui. Je sais que j'ai dernièrement agi de manière étrange, je m'en excuse. Ceci étant, j'avais de bonnes raisons, dit comte Damien, avec un sourire espiègle. Il me tend un cadeau soigneusement emballé, entouré du ruban coloré. Je vais vous surprendre. J'ai fait personnaliser, il n'en existe qu'un comme ça. Allez-y, ouvrez-le. Ouais, de l'or. Merci, Damien. J'ai des indulgences, mais sur quoi? J'ai rien à... Donne-moi de l'or. Ah. 1125. Effectivement, tu les as pas. Oh non. Le messager apporte une sombre nouvelle de petite caisse noire. Mon fils Mathieu s'est noyé en jouant avec Mélissandre. Je peux à peine regarder dans la caisse, à cause de mes yeux larmoyants. Mais un coup d'œil me confirme qu'il s'agit bien de son cadavre. J'espère qu'il jouera au paradis. L'innocence est un poison fatal. C'est défiguré, la pauvre. Attends, mais attends. La pauvre, elle est blessée au visage. Oh, jumeau, mais non. Les deux... Attends. Frère et sœur. Ah, ça... Oh, c'est dur. La jumelle, elle est même pas défigurée, quoi. Elle est... Attends, par contre, ils se ressemblent. Ah oui, ils ont les mêmes mèches. Pour le reste, après. Bon. Empli de haine, je souhaite le même sort à Mélissandre. Vous obtenez 30 de stress. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Je commence à avoir beaucoup de... Survivre à un enfant. J'avais tellement d'espoir pour vous. Mon tendre enfant. C'est deux défigurés qui sont... Bref. Toutes les pauvres... Attendez, je dis pas ça méchamment, attention. Voilà. Toutes les choses que vous auriez apprises, expérimentées et faites, il y avait tellement de possibilités, une vie entière à vivre. Puissiez-vous, peut-être, auriez-vous eu vos propres enfants un jour. Mais maintenant, rien de tout cela n'arrivera. N'adviendra. Ah la vache, je suis très stressé là. La vie n'a jamais été facile, mais j'ai l'impression que la perte de mon fils Mathieu m'a poussé à bout.
Je me souviens de lui. Non, je me souviens encore de lui quand il était bébé. Si petit, si fragile. Malgré cela, il a survécu et grandi. J'avais tant d'espoir pour son avenir. Tant de choses que je souhaitais voir et qui maintenant ne pourront jamais se concrétiser. On peut pas obtenir le trait ivrogne. Hein. Je suis en deuil pendant 5 ans. Vous obtenez plus d'opinions. Alors, faire attention à mon stress. Deuil non fait. Qu'est-ce que c'est ça? Ouh. Unité de santé moyenne. Non, en deuil. Aïe. Bon, le pape, je t'envoie quelqu'un. Enfin, j'envoie quelqu'un au dieu, donc s'il te plaît, préviens-le que je l'envoie à mon fils, quoi. Enfin, je l'envoie. Que mon fils t'a rejoint. Voilà. Très mauvaise nouvelle, tout ça. Et une petite vengeance, là, qui se prépare quelque part, quand même. Oui, il veut pas casser ce royaume, un jour, hein. Qu'est-ce que c'est? Ok. On peut l'aider à se casser, hein, sinon, il n'y a pas, pas trop de soucis. Hein. Je peux t'aider à casser, moi. Gars. Aïe. Enfant de retour, c'est bizarre, j'en ai un de moins. C'est fou, ça. Bon. Voyons voir les héritiers. Je suis pas dans la ligne d'héritier. Sniff. Par contre. Si par inadvertance le roi Lothaire venait à boire du poison, comme par hasard, hein, ce serait vraiment pas de chance. Qu'est-ce qu'il arriverait? Ou celui-là aussi, hein, si... Oh. Ils sont encore en guerre, là. Oui. Hop. Nouveau mode de vie pour érudition. Pignon du clergé plus 10. Hop. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter sur cet épisode, hein, pour cet épisode. Une bien triste nouvelle que nous avons appris, hélas. Dans les jeux. Ah. Nous savons pas encore comment on va réagir notre roi bien-aimé. Ah bah tiens, c'est bien. Ça me fait perdre du stress. Merci, j'en ai plus. Nous savons pas comment va réagir notre roi bien-aimé face à la perte de cet enfant. Hop, pas de mercenaire. En attendant, moi on m'invite à la chasse. Et on va s'arrêter ici pour l'épisode. Allez, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Thiob.